Madeo, c'est l'exemple d'un partenariat exemplaire avec le conseil départemental pour offrir aux enfants un foyer qui leur permette de s'épanouir avec une équipe soignante et une équipe d'éducateurs du conseil départemental. C'est un projet qui permet à des enfants qui ont connu des expériences de vie difficiles dans des foyers, dans des familles d'accueil, de pouvoir avoir un lieu où ils peuvent se recentrer, prendre du temps pour pouvoir ensuite s'épanouir et continuer leur vie. Cette offre de soins, elle est novatrice en ce sens que c'est surtout une solution unique. Ce sont des jeunes qui sont dans une situation où l'hôpital n'est pas très adapté à leur prise en charge, l'environnement est source de trop de stimulation. C'est ça qui est transformant pour ces enfants et c'est les solutions quasi uniques dont on dispose en fait pour répondre à leurs problèmes d'agitation, d'angoisse et de difficulté de vivre le quotidien tout simplement. On a ouvert cette structure, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'on regarde comment elle fonctionne, il faut que les professionnels nous disent si elle fonctionne efficacement et si elle correspond aux besoins de chaque enfant qui nous est confié. On voit qu'à tous les niveaux, on a envie de travailler ensemble. Je l'ai dit, bien sûr, le président du département qui a lancé depuis le début de son mandat une stratégie très forte sur les enfants les plus vulnérables. Mais il n'est pas seul, manifestement, puisqu'on a un CHU qui est venu au soutien des enjeux de santé, tout un service de pédopsychiatrie qui a mesuré les enjeux de la protection de l'enfance. On sent en quelques heures ici la volonté d'avancer et puis d'innover, de créer des choses vraiment adaptées à l'ensemble des enfants.